Et c'est tout, c'est les derniers jours pour une nouvelle vidéo. Je suis au match 16ème journée de Ligue 1. Lens, Clermont. Clermont qui est Lens. J'aimerais voir Quentin, rentrer Quentin Garmi ou voir rentrer Léon Barbin ou Pierre Ivamel. Vous avez la possibilité de vendre un joueur, de mettre un joueur sur le banc et un joueur titulaire. Quentin Garmi. Quentin. Bon, bien sûr, ils sont venus en avion. Là, on peut voir le bus de Clermont. Voilà, c'est le bus. C'est le bus de Lens, ça. Bus de Lens. Mais vas-y, ils sont venus en avion. Pour ça, c'est un bus normal. Un bus Lampeda. Là-bas, il y a les terrains d'entraînement. Le bus Clermont. Non, c'est un bus normal. En tout cas, j'ai filmé le max d'action dans le match. Je filme un peu aussi. Pas que le match, puisque je sais que vous pouvez le regarder. Si vous n'avez pas Amazon Prime, bien sûr. Je vous filme un match de choses ici. C'était Gabriel Montpied. C'est la 10ème journée de Ligue 1. Donc, clairement, les 18e. Lens sont un peu plus haut et viennent de faire match nul contre Angers. Là, c'est un match mercredi. L'échauffement de Lens est terminé. Clairement, toi aussi, on finit l'échauffement. Eh bien, nous allons faire notre petite appui pour se mettre en forme. Et on va bien évidemment. On vous l'a annoncé comme pour Marseille. Au moment de la coupure des titulaires. Je vais avoir la même ambiance qu'à Marseille, sans lumière, avec les lumières des téléphones. Ça va être cool. Ça, je vais bien aimer. Dans le noir, mais avant cela, dans quelques instants. Donc, comme c'est la nuit, il faut profiter pour faire. Nous avons un nouveau drapeau ce soir. Voilà. Je filme avec le flash, du coup ça fait lumière. Hein. La composition du Clermont Foot 63. Le numéro 5, Jean-Claude Milan. Le numéro 21, capitaine Florent Ogier. Le numéro 12, Vita Bella El Simon. Le numéro 10, Salis Adoul Samé. Le numéro 25, Yohan Gastien. Le numéro 7 et c'est son retour, Lionel Magna. Le numéro 24, Joël Dansou. Le numéro 1, Alevina. Le numéro 27, Mohamed Bayo. Et entre les mécanons qui se sont trois mille messieurs, Monsieur Pascal. Clairement. Allez, les téléphones de gauche à droite. Les joueurs. Oh.
contrée par Rogier. Frappe dans la surface, je pense. Ça fait corner pour Lens. On a frappé, mais on a mal frappé, c'est pas frappé. Directement, mais ça aurait pu être coupé par Bayo là au second, dommage. Oh non! Oh non, il ne tient pas! Bien joué! Il avait un bon centre, mal repoussé, et là il ne tient pas, dommage. Allez, on commence à garder le ballon là, c'est bien. Après, il faut marquer aussi pour être efficace. Corner par Ollier, 22e minute de jeu, corner pour Lens. Il y a une belle occasion pour Clermont, Bayo a frappé en touche carrément sur son pied gauche. Là, coup franc maintenant. Une faute sur Gastien, coup franc frappé par Gastien. Pas très bien frappé. Ça revient, allez, remets là-dedans, on frappe. Au-dessus. On n'encadre pas. À 2000 mètres qu'elle est contrée. C'est fou quand même. Oh mais pourquoi il y a personne. Oui on chier. On chier. Petit mais au chier incroyable. Qui passe pas loin, enfin quand même lointaine, enfin on peut la toucher de la tête mais c'est quand même loin du cadre. 6 mètres pour Lens. Allez gars. Lâche, bien joué. Allez dessus. Oh
des bons coups francs. Hein. Boum. Avec le Doji, il prend le ballon, faute carton jaune. Bizarre. Bon coup franc pour l'Ange, du coup. Allez, boum. Wow, c'est bon. 6 mètres. Gagné par dessous sur le côté. Et dans la foulée, Jodel dessous, frôle le poteau gauche. Dommage, belle action du Clermont. 48ème minute de jeu. Très bel arrêt de Léka. Après une belle frappe d'un Clermontois. Sur la reprise d'un centre de Zedka. Ah, c'est dommage, vraiment, bel arrêt de Zedka.
Kaby va le remplacer, un jeune qui vient de signer un peu. Vraiment sa première là. Et l'entrée du David Yamali Diaby. Allez, mon grand, allez. Allez, Bayo.
il a boxé l'air, mais tranquille. Après un pignon de Djavi pour sa première en Ligue 1, l'arbitre va voir, il a mis un jaune, il va voir s'il y aura rouge ou pas. Le Lensois est par terre. Iglesias va rentrer, Berthomier aussi, et Alidou Seydou aussi. Si ce que je dis est bon. Ouais, ils enlèvent leur chasuble, donc je pense que c'est bon. On finira à 10, on essaiera de tenir le point du nul.
un gardien. Justement, regarde cette vidéo. Sur ce, à plus.